can't go on to your Whitman. Aujourd'hui, we'll deliver its final judgment in case 002-01. Premier procès du dossier numéro 002. And for the proper proceedings. Pour assurer le bon déroulement final judgment delivery, like de l'audience consacrée au prononcé de l'arrêt précité. Voici les règles à observer. Internal regulations concerning the courtroom on public hearing day. In order to ensure the public order, security and effective functioning of the courtroom during the public hearing, the President of the Supreme Court Chamber has established the following internal regulations governing the courtroom on the public hearing day of the final judgment delivery in case 002/01 as follows. 1. All persons who wish to attend a hearing shall be present in the courtroom doit se trouver dans la salle d'audience des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens en temps et en heure. Deuxièmement, les participants et les personnes se trouvant dans la galerie du public, excepté les moines, doivent se lever lorsque le greffier demande à l'assistance de se lever et s'asseoir lorsque le président les invite à s'asseoir. Les participants doivent se comporter dignement et correctement en toutes circonstances. Une tenue appropriée est exigée, est proscrit tout vêtement arborant un quelconque slogan indiquant un quelconque soutien à l'une des parties à la procédure et tout vêtement choquant de quelque façon que ce soit. Les banderoles et panneaux sont interdits. 4. Les appareils photo, caméras, magnétophones et haut-parleurs sont interdits dans la salle d'audience sauf autorisation préalable du président de la chambre de la Cour suprême. 5. Il est interdit de fumer ou d'apporter de la nourriture ou des boissons dans la salle d'audience. 6. Toutes armes, munitions, substances inflammables et tout explosif sont interdits dans la salle d'audience sauf pour les agents de sécurité habilités des CETC. 7. L'usage des téléphones portables est strictement interdit. Cette interdiction vise également la prise d'image ou de son à l'aide de téléphone, sauf autorisation préalable du président de la Chambre de la Cour suprême. 8. Il est interdit de changer de place ou de déambuler dans la salle d'audience. 9. Il est interdit d'applaudir, de lancer des acclamations, de crier ou de faire du bruit susceptible de perturber l'audience. 10. La permission d'un agent de sécurité habilité des CETC doit être obtenue avant d'entrer dans la salle d'audience ou d'en sortir. 11. L'accès à la salle d'audience est interdit aux enfants de moins de 16 ans. Les personnes âgées de 16 à 18 ans doivent être accompagnées d'un parent ou d'un tuteur légal. Unless they are attending the public hearing as civil parties. En tant que partie civile. 12. En vertu du règlement intérieur des CETC et des lois applicables du Royaume du Cambodge, le président de la Chambre de la Cour suprême peut prendre des mesures de prévention ou des mesures directes à l'encontre de toute personne qui enfreindrait les présentes règles. Phnom Penh, 21 novembre 2016. Fait à Phnom Penh le 21 novembre 2016, signé le président de la Chambre de la Cour suprême, Kong Srim. Voici qui met fin à la lecture du règlement intérieur. Pour cette audience consacrée au prononcé de l'arrêt dans le premier procès du dossier numéro 002. Vous êtes prié de vous conformer à ces règles et de ne rien faire qui puisse perturber l'audience. Je vous remercie.
សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ Le Président, veuillez vous asseoir. Ngày nay, Aujourd'hui, la Chambre de la Cour suprême des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens annonce son arrêt concernant les appels interjetés par Nunchia et Que Sampan et les coprocureurs dans le premier procès du dossier 002. Greffier, please report the attendance le of the parties greffier and the est prié counsels. De faire rapport sur la présence des parties et des avocats. Please turn on the microphone. Veuillez allumer le micro. Greffier, le greffier, Mr. President, Monsieur le Président, for today's proceedings on the final judgment delivery in cases 002, audience, all parties are present. Toutes les and parties the two accused are sont also présentes. Present. Les deux accusés se trouvent dans we le prétoire, sont également représentés les co-procureurs, les co-avocats principaux pour les parties civiles et sont également présents tous les avocats de la défense. Sont également présentes plus de 100 parties civiles. However, due to the limited toutefois, seats available in the courtroom, comme le prétoire comprend un nombre limité de sièges, seules 10 parties civiles ont pu effectivement prendre place dans le prétoire, à savoir Soutni, Su Sotiewi, Chauni, Kumhun, Sopan Sovani, Yim Sovan, Ning Sakon, Tang Sokha, Seng Siwuta et Jong Rumdul. Je vous remercie. Le Président. I would also like to make an announcement that on the pronouncement of the summary pour of the le prononcé du résumé de l'arrêt de la Chambre de la Cour suprême, use the restroom without informing les accusés the pourront chamber faire in usage advance. Des lieux d'aisance sans en avoir au préalable summary informé of la Chambre. Court chamber judgment résumé on de l'arrêt in case de la Chambre de la Cour suprême 01. Concernant les appels interjetés dans le premier procès du dossier on 002. Le 7 août 2014, la Chambre de première instance des CETC a rendu son jugement dans le premier procès du dossier numéro 002. Finding the accused, déclarant les accusés Nunchia et Que Sampan coupables de crimes contre l'humanité d'extermination englobant murder, le meurtre, persecution de persécution pour motifs politiques et autres actes inhumains transfer, sous la forme de déplacements forcés, de disparitions forcées et d'atteinte à la dignité humaine. The trial chamber found la Chambre de première instance a considéré que ces crimes avaient été commis au cours de trois séries d'événements faisant l'objet du premier procès dans le dossier numéro 002, à savoir durant l'évacuation de Phnom Penh immédiatement après la chute de la ville le 17 avril 1975, ce qu'il est convenu d'appeler la phase 1 des déplacements de population. Concernant les déplacements de population s'étant produits
entre 1975 et 1977, ce qu'il est convenu d'appeler la phase 2 des déplacements de population, ainsi que l'exécution d'anciens soldats et fonctionnaires du régime de l'ONOL à un endroit appelé Toul Pochrei dans la province de Poursat fin avril 1975. La chambre de la Cour de la chambre de première instance a considéré qu'aucun des deux accusés n'ait commis aucun de ces crimes de ses propres mains. Ils en étaient toutefois pénalement responsables au titre du mode de participation appelé entreprise criminelle commune, ainsi que pour avoir planifié ces crimes, incité à les commettre, aidé et encouragé à les commettre, et, dans le cas de Nunchea, pour avoir ordonné de commettre ces crimes. La chambre de première instance a condamné les deux accusés à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Elle a également fait partiellement droit aux demandes de réparation morale et collective présentées par les parties civiles. Elle a également avalisé 11 projets à cet égard. Nunchea et Kyesampon, ainsi que les coprocureurs, ont déposé des mémoires d'appel et des réponses. Les parties civiles ont également déposé des observations écrites. La Chambre de la Cour suprême a siégé les 2, 3 et 6 juillet 2015 pour entendre 3 témoins supplémentaires. Le 17 novembre 2015, ainsi que du 16 au 18 février 2016, elle a siégé pour entendre les arguments des parties. Elle s'est ensuite retirée pour délibérer. En ce jour, la Chambre de la Cour suprême rend son arrêt concernant les 3 appels. À la présente audience, je résumerai les motifs retenus par la Chambre de la Cour suprême et je donnerai lecture du dispositif de l'arrêt. Le résumé qui va suivre vise à aider à comprendre la décision de la Chambre. Il ne fait pas partie des motifs de la décision. L'arrêt, dans son intégralité, constitue l'unique document faisant foi. Les appels interjetés par Nunchea et Kyesampon comprennent respectivement 223 et 148 moyens d'appel qui se recoupent fréquemment. C'est pourquoi je traiterai des 2 appels conjointement, comme c'est le cas dans l'arrêt. L'appel des coprocureurs sera abordé séparément. Je souligne qu'au vu du grand nombre de moyens d'appel qui ont été soulevés, à la présente audience, je vais uniquement résumer les conclusions portant sur les moyens d'appel qui étaient particulièrement litigieux ou significatifs ou qui ont suscité un intérêt particulier parmi le public en général. Bien entendu, la Chambre de la Cour suprême a aussi analysé tous les autres moyens d'appel qui ont été invoqués. Les conclusions de la Chambre concernant tous ces moyens d'appel sont énoncées dans l'arrêt. L'arrêt, dans son intégralité, sera notifié aux parties peu après la présente audience. Seul fait foi l'arrêt dans son intégralité et non le résumé qui va suivre. Les appels interjetés par Nunchea et Kyesampon. Les moyens d'appel soulevés par Nunchea et Kyesampon peuvent être divisés en 5 domaines thématiques. Je les aborderai séparément. Premièrement, équité de la procédure. Les accusés invoquent plusieurs arguments contestant l'équité de la procédure à leur encontre. Mon résumé se limitera à 2 séries d'arguments. Le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Il importe de relever que les accusés font valoir qu'il a été porté atteinte à leur droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial.
The Supreme Court chamber la Chambre de la Cour suprême n'est pas convaincue par l'argument selon lequel le parti pris allégué de la Chambre de première instance serait démontré par les conclusions erronées et illogiques qu'elle aurait tirées. La Chambre de la Cour suprême n'estime pas non plus que l'interview accordée en 2013 par la juge Cartwright trahisse un parti pris de sa part. Quant à l'argument faisant état d'un manque d'indépendance, argument qui se fonde sur les déclarations faites par l'ancien juge d'instruction Marcel Lemonde dans son livre, la Chambre relève que ces commentaires sont d'une nature générale et qu'ils n'ont pas été faits en rapport avec le dossier 002. En ce qui concerne à présent l'allégation de Tetsambach, à savoir que les témoins potentiels n'ont pas été entendus en raison de préoccupations liées à la sécurité, la Chambre de la Cour suprême relève que, bien qu'il s'agisse là d'une allégation sérieuse, elle est sans rapport avec l'éventuel manque d'indépendance de la Chambre de première instance. En ce qui concerne l'argument selon lequel le raisonnement développé par les juges cambodgiens pour ne pas citer Heng Samrin à comparaître comme témoin révélerait leur manque d'indépendance, la Chambre de la Cour suprême considère qu'il n'est pas évident que telle soit l'unique conclusion possible, dès lors que ce raisonnement pourrait avoir été réellement motivé par la crainte de ces juges que le témoignage de l'intéressé serait dénué de pertinence. Droit à une défense effective. Nunchai et Kesampan invoquent plusieurs arguments à l'appui de leur affirmation selon laquelle il a été porté atteinte à leur droit à une défense effective, par exemple du fait que la Chambre de première instance n'a pas cité à comparaître certains témoins. Concernant Heng Samrin, Nunchai avait demandé à plusieurs reprises qu'il soit cité à comparaître, y compris devant la Chambre de première instance. Celle-ci n'a pas pu réunir la majorité requise pour citer l'intéressé à comparaître en tant que témoin. Si trois juges ont considéré qu'il n'était pas justifié de citer Heng Samrin, deux juges étaient d'avis que c'était un témoin pertinent et qu'il convenait de le citer à comparaître. La Chambre de la Cour suprême considère que la Chambre de première instance a usé de manière déraisonnable de son pouvoir d'appréciation concernant Heng Samrin. Il convient en particulier de relever que les trois juges qui n'ont pas estimé opportun de citer à comparaître l'intéressé ont déclaré qu'une telle citation était susceptible d'entraîner des retards considérables. Selon la Chambre de la Cour suprême, il s'agit là d'une erreur, car aucun élément du dossier ne laissait penser que Heng Samrin ne viendrait pas comparaître le cas échéant. De surcroît, la demande visant à faire citer l'intéressé avait été faite au début de la procédure et rien n'indique que les problèmes qui auraient éventuellement pu se poser n'auraient pas pu être résolus en cours de procès devant la Chambre de première instance. La Chambre de la Cour suprême arrive à la même conclusion concernant Ouk Bonchun que Nunchia avait également demandé de citer à comparaître. La question suivante que la Chambre de la Cour suprême doit aborder consiste à savoir si les accusés ont subi un réel préjudice du fait de l'erreur commise par la Chambre de première instance. À cet égard, la Chambre de la Cour suprême relève qu'aucun des deux témoins en question ne semblait être en possession d'informations potentiellement à décharge dont d'autres témoins n'étaient pas en possession. Vu que Heng Samrin, au cours d'une interview, avait fait des déclarations concernant la politique des Khmer Rouges envers les soldats du régime de Lon Nol, la Chambre de la Cour suprême considère que les notes de cette interview
suscite en effet des questions qui auraient pu être éclaircies si l'intéressé était venu déposer. Toutefois, la chambre de première instance était saisie de ces notes d'interview et elle a pu en tenir compte. Tout bien considéré, selon la chambre de la Cour suprême, il n'a pas été établi que le fait que la chambre de première instance n'est pas cité à comparaître Heng-Sam Rin et Ung-Bun Chun aurait entraîné une issue manifestement inéquitable de la procédure judiciaire justifiant que soit invalidée la déclaration de culpabilité prononcée contre les accusés. Les accusés ont aussi soulevé plusieurs autres arguments concernant l'équité de la procédure. Ils ont soutenu que le règlement intérieur était inconstitutionnel. Après avoir examiné les observations des parties, la Chambre de la Cour suprême rejette tous ces arguments pour les motifs exposés dans l'arrêt. Approche adoptée par la Chambre de première instance en matière de preuves. J'en viens aux deuxièmes thématiques, à savoir les moyens d'appel ayant trait à l'approche adoptée par la Chambre de première instance en matière de preuves. Limiting opportunities for investigations at trial. Le fait de limiter la possibilité de rechercher des informations supplémentaires en cours de procès. Les accusés font valoir que la chambre de première instance s'est trompée en leur limitant la possibilité de rechercher des informations supplémentaires en cours de procès. The first issue is whether le premier point the trial consiste à déterminer si la chambre de première instance a commis une erreur en confirmant que la défense n'était pas autorisée à enquêter. La Chambre de la Cour suprême considère que, bien que le cadre procédural des CETC ne prévoit pas que les parties puissent mener des enquêtes pleines et entières, rien dans les textes fondateurs ni aucune raison pratique impérative n'interdit à la défense d'entreprendre, moyennant certaines conditions, des démarches ayant pour but de découvrir de nouveaux éléments de preuve, en particulier en présentant des demandes motivées d'actes d'instruction ou de suppléments d'information auprès de l'organe compétent des CETC. Le deuxième point consiste à déterminer si la Chambre de première instance a commis une erreur en statuant sur les demandes de suppléments d'information. La Chambre de la Cour suprême estime que la démarche générale adoptée par la Chambre de première instance n'a rien de déraisonnable, étant donné aussi que la décision de renvoi a remédié à tout vice de procédure ayant pu entacher l'instruction. Le fait de permettre aux témoins d'examiner leurs déclarations antérieures et d'en confirmer la teneur. Le point suivant concerne donc la décision de la Chambre de première instance de permettre aux témoins d'examiner leurs déclarations antérieures avant de venir déposer. La Chambre de la Cour suprême considère qu'il aurait été davantage conforme à la pratique cambodgienne de ne pas adopter une telle procédure. Toutefois, la Chambre de la Cour suprême ne considère pas que la Chambre de première instance ait abusé de son pouvoir d'appréciation eu égard aux circonstances de l'espèce. Le fait de déclarer recevable et d'utiliser des éléments de preuve écrits en lieu et place de déposition orale. Les accusés ont aussi contesté la pratique de la Chambre de première instance consistant à utiliser des déclarations écrites en lieu et place de déposition orale. En particulier, la Chambre de première instance a décidé que, moyennant certaines conditions, des éléments de preuve prenant la forme de déclarations écrites ou retranscrites étaient recevables même si la défense n'avait pas l'occasion d'interroger les personnes qui en étaient à l'origine. La Chambre de première instance a ainsi déclaré recevable 1124 déclarations écrites ou retranscrites. Premièrement, la Chambre de la Cour suprême considère que le droit d'être confronté aux témoins n'est pas un droit absolu. Si le droit d'interroger les témoins à charge n'était assorti d'aucune limitation, un tribunal risquerait de voir compromise sa capacité à rendre la justice dans tout dossier présentant l'ampleur et la
complexité de celui de l'espèce. Secondly, deuxièmement, the accused contests the weight that the trial chamber assigned to the written statements. Les accusés contestent le poids que la chambre de première instance a conféré aux déclarations écrites. La chambre de la Cour suprême relève que ces déclarations doivent généralement se voir accorder une valeur probante moindre lorsque les parties n'ont pas été en mesure d'interroger les témoins qui en sont à l'origine. The trial chamber did indeed state that the trial chamber took this principle into consideration in the evaluation of evidence. A d'ailleurs indiqué dans son jugement qu'elle avait tenu compte de ce principe au moment d'évaluer les éléments de preuve. Aucune erreur n'a donc été commise à cet égard. Il existe cependant une question plus complexe, celle de savoir si, en parvenant à certaines de ces constatations, la chambre de première instance se serait appuyée de manière excessive sur des déclarations écrites dont l'auteur n'avait pas comparu à l'audience. La Chambre de la Cour suprême analysera sous cet angle les différentes constatations de la Chambre de première instance prises individuellement. Le fait de s'appuyer sur des éléments de preuve fournis par les participants. Pour ce qui est de la série suivante de moyens d'appel, concernant firstly, le fait que la chambre de première instance s'est appuyée sur des éléments de preuve fournis par les parties civiles, la chambre de la Cour suprême n'est pas convaincue par les arguments des accusés à cet égard. Premièrement, le statut spécial des parties civiles ne les empêche nullement de déposer. Le poids accordé à leur déclaration doit être apprécié au cas par cas, vu également que les parties civiles n'ont pas dû prêter serment. Additionally, the trial chamber did not la chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en s'appuyant sur ce qu'il est convenu d'appeler des déclarations relatives aux souffrances ou des témoignages de victimes sur le préjudice subi, dès lors qu'il était clair que ces déclarations et témoignages pouvaient contenir des informations pertinentes pour se prononcer sur la culpabilité des accusés. Les accusés ont invoqué plusieurs autres arguments concernant l'approche adoptée par la Chambre de première instance en matière de preuve. Concernant, par exemple, la manière dont la Chambre s'est appuyée sur des témoins experts, ainsi que concernant certaines pratiques qui ont eu cours dans le prétoire, à savoir que des témoins ont été invités à faire des commentaires sur des documents. Ces arguments relating to the topic of the trial chambers to approach et the evidence. Tous les autres ont été minutieusement évalués par la Chambre de la Cour suprême, dont les conclusions sont dénoncées dans l'arrêt. Voici qui met fin au résumé des conclusions ayant trait à l'approche adoptée par la Chambre de première instance en matière de preuves. Je passe à présent au fond de l'affaire, à savoir les crimes dont les accusés ont été reconnus coupables. Conclusion ayant trait aux crimes dont les accusés ont été reconnus coupables. Comme indiqué au début de l'audience, les chefs d'accusation du premier procès du dossier numéro 002 concernaient des crimes qui auraient été commis au cours starting in the second half of 1975 and extending into 1977, the so-called population movement phase 2, and finally the alleged killing of Lunnon soldiers and officials at Tourcoing. The trial chamber found that in the course of these events, several crimes against humanity had been committed. As stated, the two accused did not commit these crimes directly. Qu'au cours de ces événements, rather, plusieurs crimes contre l'humanité avaient été commis. Those crimes comme indiqué précédemment, la Chambre de première instance a considéré que les accusés n'avaient pas commis ces crimes directement. Elle a au contraire estimé que ces crimes avaient été perpétrés par d'autres Khmer Rouges, mais qu'ils pouvaient être imputés aux accusés. The analysis of the accused's criminal responsibility may be divided into two broad elements. First, the actual crimes that were committed by the Khmer Rouge, and second, the question of whether the accused can be held criminally responsible for these crimes. Murder. Definition of mental element of murder. Le crime de meurtre.
définition de l'élément moral du crime de meurtre. The first issue that I would like to address en ce qui concerne le crime de meurtre, le premier point que je souhaiterais aborder concerne une question juridique. The à savoir la définition de l'élément moral. As a crime against les accusés font valoir que la définition du meurtre en tant que crime contre l'humanité exige que son auteur ait été animé de l'intention de donner la mort, c'est-à-dire qu'il doit avoir eu pour objectif de causer la mort d'autrui. That the trial les accusés soutiennent que la chambre de première instance defined a défini the mental à tort element l'élément as encompassing moral comme englobant l'homicide par or imprudence ou, pour utiliser la terminologie du droit romano-germanique, comme englobant le meurtre avec dol the éventuel. The Supreme Court Chamber, after having reviewed the après relevant avoir examiné case law, la jurisprudence pertinente, the trial chamber did not make la an error chambre de la in Cour this suprême regard. Conclut que criminal la chambre de première instance n'a pas commis murder, d'erreur à cet égard. May arise even if la the responsabilité pénale pour meurtre peut par conséquent être engagée même si l'auteur est animé d'une intention moindre murder. Que celle de donner la the mort. Remainder of the grounds of appeal relates primarily erreur to the trial chamber's le crime factual findings as to le reste the des moyens d'appel of murder porte essentiellement in the course sur of les constatations movement de fait de la chambre de première instance concernant les meurtres qui auraient été commis durant la phase 1 des déplacements de population, c'est-à-dire durant l'évacuation de Phnom Penh. First, the Supreme Court Chamber has to address the question of whether the trial chambers was obliged to establish individual incidents of killings beyond reasonable doubt. A question the Supreme Court Chamber au-delà de tout doute raisonnable, que dans certains cas, des exécutions avaient été perpétrées. La Chambre de la Cour suprême répond à cette question par l'affirmative. Par conséquent, afin d'établir la commission du crime de meurtre par les Khmers rouges, des cas d'exécution doivent être établis selon le critère consistant à devoir se prononcer au-delà de tout doute raisonnable. Has carefully reviewed the en s'appuyant sur ce principe, la Chambre de la Cour suprême a soigneusement examiné les constatations de fait que les accusés ont contestées. La Chambre de la Cour suprême conclut que la Chambre de première instance n'a pas établi de manière raisonnable they were based l'existence on de certains cas de meurtre, evidence, principalement parce que la Chambre de première instance s'est fondée value. Sur les déclarations dont l'auteur n'avait pas comparu à l'audience a ou sur des éléments de preuve présentant une valeur probante insuffisante. Based on the evidence un nombre suffisant d'exécutions a toutefois chamber. Été établi de manière therefore, raisonnable sur le fondement des éléments de preuve dont était saisie la Chambre de première instance. C'est donc de manière raisonnable que celle-ci est arrivée à la conclusion que le crime contre l'humanité de meurtre avait été commis durant l'évacuation de Phnom Penh ainsi qu'à Tul Po Chray. Turning to the crime of extermination, le crime several grounds of appeal relates to the precise definition concernant of this crime. Le crime d'extermination, first, the plusieurs moyens d'appel ont trait à la définition précise de ce crime. That for premièrement, les accusés ont contesté la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il suffit que soit démontrée l'existence d'un dol éventuel pour que l'élément moral de ce crime soit réputé constitué. Upon a detailed review of the relevant case law, the Supreme Court Chamber concludes that unlike for murder, extermination requires a demonstration of direct intent to kill on a large scale. Thus, the trial chamber's definition of the mental element of extermination was in part incorrect. Était par conséquent partiellement erroné. The accused also submit that a large number of les accusés people would have soutiennent died également in qu'un grand nombre event, de personnes auraient de toute manière and that there trouvé was no la indication mort that et que rien during n'indique qu'au cours de l'évacuation de Phnom Penh, le nombre de décès the est excédé le taux rate. De mortalité normale. The Supreme Court la Chamber Chambre de la Cour rejects suprême this rejette argument, cet argument, given that, étant as donné held que, by the ICTY, comme l'a dit le a wrongdoer pénal international must take pour l'ex-Yougoslavie, l'auteur s'attaque à sa victime him. Dans l'état où il la trouve. That said, cela dit, the Supreme Court Chamber la considers la that it was unreasonable to conclude qu'il était déraisonnable de conclure
the mass element of crime of the crime of extermination had been established in relation to the evacuation of Phnom Penh. Based on the evidence that was before the trial chamber, only a relatively small number of deaths may be considered as having been established beyond reasonable doubt. Due to the weakness of the evidence before the trial chamber, it was not possible to extrapolate that killings had occurred on a massive scale. In addition, the trial chamber relied on a dolus eventualis standard, which is, as explained before, is insufficient for the crime of extermination. As for population of movement, phase 2, the Supreme Court chamber considers that several instances of death were reasonably established. Nevertheless, the evidence was insufficient to allow the trial chamber to reasonably extrapolate that killings occurred on such a large scale as is required for extermination. In addition, the trial chamber's findings could not establish that the perpetrators acted with direct intent to kill on a large scale, but implied that they acted with dolus eventualis, which, as noted before, is insufficient for the crime of extermination. For these reasons, the Supreme Court chamber concludes that the trial chamber erred when it found that the crime of extermination was committed during population movement phase 1 and population movement phase 2. However, the Supreme Court chamber recalls that in relation to phase 1 of the population movement, it has confirmed that the crime of murder was committed. In relation to phase 2, although the crime of extermination was not established, the facts found to have existed by the trial chamber and confirmed on appeal fulfills all ingredients of the crime of murder, and the Supreme Court chamber, therefore, has decided to enter a conviction on that basis. Une déclaration de culpabilité sur cette base. Turning to dual perjury, the accused challenged the trial chamber's finding that at least 250 Lunar soldiers were killed in April 1975. The Supreme Court chamber is not persuaded by these arguments, as the trial chamber established the minimum number of deaths in keeping with the principle of in ne dubio pro reo. Also, there can also be no doubt that the perpetrators acted in this case with direct intent to kill on a large scale. In sum, the deaths and the killings occurred during population movement phases 1 and 2 must be classified as the crime against humanity of murder. The killings carried out at dual perjury amount to extermination. Other inhumane acts. The trial chamber found that during population movement phases 1 and 2, the crime against humanity of other inhumane acts in the form of forced transfer and attacks against human dignity had been committed. In addition, the trial chamber found that during population movement phase 2, the crime was committed in the form of enforced disappearances. Sous la forme de disparition forcée. The trial chamber approach to the crime of other inhumane acts. En ce qui concerne le crime d'autres at the outset, the Supreme Court chamber notes that the trial chamber's approach to the crime against humanity of other inhumane acts discloses confusion in that the trial chamber defined elements of forced transfer and enforced disappearances as though they existed as separate categories of crimes. Instead,
the trial chambers should have focused on whether, taken as a whole, the conduct in question was similar in nature and gravity to other recognized crimes against humanity. This requires a holistic and case-specific analysis, which the Supreme Court Chamber has carried out on appeal. Circumstances during population movement phase 1 and its unlawfulness. The accused disputed the trial chamber's findings regarding the conditions and the use of force during the evacuation of Phnom Penh. The Supreme Court chamber considers that overall the findings were reasonably made, although certain generalized findings were unreasonable and not sufficiently backed up by the evidence before the trial chamber. The Supreme Court chamber is not persuaded that the trial chamber erred in its determinations regarding the purported justifications for the evacuation of Phnom Penh. To a large extent, the accused's arguments merely present an alternative interpretation of the evidence, which was short of establishing unreasonableness. Circumstances during population movement phase 2 and its unlawfulness. The accused also challenged the trial chamber's finding with reference to population movement phase 2. The Supreme Court chamber recalls in this regard that population movement phase 2 comprised the transfer of people in various parts of the country and over a long period of time. In light of this fact, certain generalized findings of the trial chamber were unreasonable because they were based upon an evidentiary basis that was too narrow. Nevertheless, it was not unreasonable to find that there was general lack of food, water, and hygiene facilities, as well as a lack of medicine and medical assistance. There was also sufficient evidence before the trial chamber to find that some people disappeared and others died because of the conditions of the transfer. In contrast, it was unreasonable to find that the overwhelming majority of the transferees were so-called new people, that is, former city dwellers, as there was also evidence referring to the transfer of so-called old people. Whether population movements phases 1 and 2 amounted to inhumane acts in the circumstances. As mentioned before, it falls upon the Supreme Court chamber to assess whether population movements phases 1 and 2 amounted to the crime against humanity of other inhumane acts. In relation to population movement phase 1, s'agissant de la phase 1 des déplacements de population, the Supreme Court chamber recalls that it was established that at least 2 million people were forcibly evicted from Phnom Penh in terrifying and violent circumstances and without prior warning. Et sans avertissement préalable. It was also established that in the course of the evacuation, people were killed and died because of the conditions that were inflicted upon the population. The Supreme Court chamber considers that in these circumstances, the evacuation of Phnom Penh caused serious mental and physical suffering and injury and affected a large number of individuals. It therefore amounts to the crime against humanity of other inhumane acts. During population movement phase 2, at least 300,000 to 400,000 people were forced to move. This finding was not disturbed on appeal.
demeure inchangée Further, en cause d'appel. The Supreme Court chamber upheld en outre, the findings la Chambre de la cause de la Cour those suprême people who were a displaced endured poor conditions ces personnes resulting from lack ont enduré of food, des conditions water, pitoyables and hygiene facilities. Du manque de nourriture, d'eau Some et families des conditions were separated. Some certaines familles ont été séparées during the transfers. Et il y a eu des décès pendant les transferts. The Supreme Court chamber considers la Chambre de la Cour suprême these circumstances which affected a large number que of people are sufficient qui ont to amount to the crime de of other inhumane acts. Pour constituer le crime d'autres actes inhumains. Persecution. Persécution. The trial chamber found that the crime against humanity of persecution was committed in the course of population movement phases 1 and 2, as well as at Tolpochery. The victims of persecution were LONOL soldiers and officials, as well as civilians living in the city of Phnom Penh at the time of its evacuation, so-called 17 April à people or new ce people. Que l'on appelait le peuple du 17 avril, Definition le peuple of persecution. Nouveau. Définition the de la persécution. Challenge the trial chamber's definition of persecution. La définition de la persécution According to the trial chamber, the group that is the Selon object elle, of political persecution may also include groups whose members do not necessarily hold any common political views, but who are persecuted communes, because of the perpetrator's political agenda or motivation. The Supreme Court chamber does not consider that the trial chamber erred in this regard. It recalls that in the Dutch case, it held that the victims must belong to a sufficiently discernible group that is defined by the perpetrator on political, racial, or religious grounds. In particular, groups may be made the subjects of political persecution because the perpetrator perceived Parce que l'auteur du crime them as potential opponents or otherwise as obstacles to the implementation of a political agenda. À la réalisation de programmes politiques. New people as a sufficiently discernible group. The accused further admit that new people were not a sufficiently discernible group and that the trial chamber applied an inconsistent definition. The Supreme Court chamber is not persuaded by these arguments. New people included all those who were living in Phnom Penh on 17 April 1975, irrespective of whether they had been living in the city for long periods of time or had only recently sought refuge ou in the city. Refuge que récemment. Persecution during population movement Persecution phase 1. Lors de la phase une des déplacements the Supreme Court de chamber further considered la Chambre de la that Cour the entire population of Phnom Penh was subjected Phnom Penh to evacuation, d'évacuation, as all were considered car to be tous les citadins new people. Étaient considérés comme appartenant au peuple nouveau. This does not mean, however, that the targeting was indiscriminate Toutefois, and thus incapable of amounting to persecution. Et ne saurait donc être qualifié de New persécution. People were targeted because of Les who they were perceived ont été pris pour to be, en perceived to be, de leur identité and what they were seen to represent. Et de ce qu'ils représentaient the accused aux yeux de certains. Arguments in this regard were therefore Les arguments rejected. Des accusés à cet égard sont donc rejetés. Persecution during population movement phase 2. Lors de la phase deux, In relation to population. Population movement phase 2, the Supreme Court chamber is not certified that as held by the trial chamber. The evidence shows that the vast majority of transferees had been new people. As such, it has not been established that the transfer was in fact discriminatory. Therefore, the trial chamber erred when finding that persecution was committed during population movement phase 2. Contextual element of crimes against humanity. Éléments contextuels des crimes contre l'humanité.
The Supreme Court chamber also dismisses the grounds of appeal that revolve around the contextual element of crimes against humanity. The detailed reasoning for this finding are contained in the written judgment. Individual criminal responsibility. Turning to the accused's individual criminal responsibility, the overarching question is whether the crimes committed can be attributed to the accused. The trial chamber found that the accused were criminally liable based on the basic form of joint criminal enterprise, so-called JCE1, as well as liable due to their planning, instigating and aiding and adding and abetting these crimes, and in respect of Nunchia only for ordering the crimes and on the basis of superior responsibility. Pour avoir ordonné les crimes joint criminal et enterprise. The accused raised several grounds of appeal in relation to their liability based on JCE. Les accusés ont invoqué plusieurs moyens d'appel existence relatifs à leur responsabilité liability based on JCE 1 at the relevant time. Existence de la responsabilité découlant de la participation notably, à une entreprise criminelle commune de première catégorie the existence of liability based on les accusés based upon particulièrement l'existence d'une responsabilité découlant de la participation à une entreprise criminelle customary international law as it existed at the time liability was limited to joint contributions to specific crimes. La responsabilité se limitait and à des contributions merely conjointes making a contribution to the implementation of a common purpose was insufficient to give rise to individual criminal responsibility. Une responsabilité pénale individuelle. The Supreme Court chamber is not persuaded by these arguments. N'est pas convaincu par ces arguments. Even though the term JCE si was coined by the ICTY, the underlying notion had already emerged in the post-World War II case law. Dans la jurisprudence notably, de la pré-Seconde Guerre after mondiale. World War II, en effet, accused après la were convicted mondiale, of crimes they had not committed with their own hands pas because commis, these crimes had been encompassed by a criminal common purpose to which the accused had made a contribution. The Supreme Court chamber underlines that the common purpose must be criminal in character. This means that either it must in itself amount to the commission of one or more crimes or the implementation of the common purpose must involve the commission of one or more crimes. In this regard, the Supreme Court chamber notes that the trial judgment relied on a somewhat different formulation. Notably, the trial chamber inquired whether the common purpose, among other things, resulted in the commission of a crime. This suggests that the trial chamber was of the view that crimes that generally resulted from the implementation of the common purpose could be imputed to the accused, even if these crimes had not been part of the common purpose. In the view of the Supreme Court chamber, this would amount to the type of liability that has been referred de la forme de responsabilité to as JCE 3 or extended JCE liability. The question is thus whether under customary international law as existed in 1975, liability could be imputed for crimes that merely resulted from the implementation of a common purpose but were not encompassed by it. In this regard, the Supreme Court chamber notes with approval the decision of the pre-trial chamber on this question, which found that such liability did not exist at the time. Having considered the relevant jurisprudence, the Supreme Court chamber concludes that there was indeed no basis under customary international law for liability for crimes not encompassed by the common purpose.
pour les crimes non envisagés dans le projet Format. In light of this finding, it becomes of great relevance to identify the criteria in order to determine which crimes are encompassed by a common purpose. In this regard, the Supreme Court Chamber finds that a common purpose amounts to the commission of a crime if the crime is one of the primary objectives of the common purpose. In contrast, a common purpose involves the commission of crimes if the crimes are not the immediate goal of the transaction, but are seen as a means to achieve an ulterior objective. Whether a crime was encompassed by the common purpose is primarily a question of fact. Si un crime était envisagé dans le projet commun est essentiellement question of fact. Relevant factors will be, for example, the overall objective of the common purpose and the likelihood that it may be attained only at the cost of the commission of crimes. In sum, the trial chamber made an error in its definition of the legal elements of JCE liability. De la responsabilité découlant de la participation à une entreprise it falls then on the Supreme Court chamber to assess whether the elements of JCE liability properly interpreted and nevertheless fulfilled. Definition of the common purpose. Définition du projet Turning commun. To the next set of arguments, the Supreme Court Chamber considers that de la liability under JCE 1 requires that the common purpose be criminal in nature. In contrast, the trial chamber found that the accused Or, la Chambre agreed de to a common purpose which it described as not criminal in itself, that is the implementation of a rapid socialist revolution, in Cambodia. Nevertheless, this common purpose Toutefois, must be seen in the context of the Khmer Rouge policy of population movement and the policy of targeting Lunnol soldiers. Et des mesures dirigées contre les soldats de Lunnol. These policies, according to the trial chamber, Selon la chambre were de première instance, utilized to bring the socialist revolution in Cambodia pour réaliser au Cambodge to fruition. Une révolution socialiste. While the trial chamber did not state that these si policies de were actually part of the common purpose, que ces politiques faisaient effectivement partie du it projet is commun, nevertheless clear that they were clair, considered by the trial chamber comme le moyen as the means through which the socialist revolution was to be implemented. La révolution socialiste. Thus, while the trial chamber's findings Ainsi, may be perceived, la constatation as, de la chambre perceived to be lacking de première instance in precision, peut certes être there can be no doubt that it was the criminal aspect of the two policies that was at the core of case 002/01. For that reason, the Supreme Court Chamber rejects the accused's argument that the purpose which the trial chamber had identified was non-criminal and therefore could not give rise to liability under JCE. Découlant de la participation and à une content entreprise of population movement policy. Existence et contenu de Several la politique grounds de la of appeal challenge the trial chamber's findings as to the existence and content of the policy to move the population, de la politique de both déplacement de from la cities to the countryside des and from vers one les area to another. Et d'une région à l'autre. As to the policy to evacuate cities, en ce qui the concerne Supreme la politique Court d'évacuation Chamber des villes, cannot see any la Chambre error de la Cour in suprême the trial chamber's ne findings voit aucune erreur dans les conclusions de la Chambre de première instance. The policy was demonstrated inter alia by a consistent pattern of evacuations, par un mode opératoire récurrent, particularly since the trial villes, chamber did not claim d'autant plus that que la chambre de première instance all evacuations n'a pas affirmé followed exactly the same method que toutes of les évacuations operation. Avaient suivi exactement le même mode opératoire.
referring to the policy to move people from an area to another, de transfert de population d'une région à une autre, the Supreme Court chamber also finds that the accused arguments are without merit que les arguments des accusés sont déniés de fondement pour la motif exposé dans le texte de l'arrêt. Crimes encompassed by common purpose in relation to dans le population movement phases 1 and 2. Des déplacements de population. The next issue to be addressed is which crimes were actually encompassed by the common purpose consiste à savoir in respect of population movement phase 1. This summary addresses only the Supreme Court Chamber's findings relating to the crime of murder, concernant le crime de meurtre, as this was the most controversial issue. Car cette question a été la plus controversée. The Supreme Court Chamber finds that the common purpose encompassed the killing of high-ranking Khmer Republic officials. It also involved the death resulting from the conditions that were imposed during the population movement and the killings of civilians and former soldiers. This is because in the circumstances the members of the JCE were aware of the conditions les parties which à l'entreprise criminelle commune connaissaient les conditions que les personnes évacuées devraient endurer. It was likely that in particular the most vulnerable et savaient would die. Qu'il était probable que les personnes les plus vulnérables the Supreme Court chamber records that the evacuation la Chambre concerns de la the entire population of Phnom Penh within a short period of time and during the hottest qu'elle a été effectuée period dans of the un year. Court laps de temps et au plus fort de la saison chaude. As to the killing of civilians and lower-ranking Khmer Republic soldiers and officials, the Supreme Court Chamber notes that the evacuation of Phnom Penh was carried out in a very short time span and by heavily armed troops. These circumstances indicate that implicitly, the common purpose also encompassed the prospect that deadly force could be used by the troops who were tasked with evacuating the city should they encounter any resistance. S'ils rencontraient une quelconque résistance. This is the case irrespective of whether specific orders to kill were sans qu'il given y ait lieu de se demander si des ordres précis de tuer ont été donnés. Who gave such orders qui les a and donnés whether such orders were only given to troops et si ces ordres n'ont été donnés qu'aux soldats under certain commanders placés sous l'autorité de certains commandants. The next question is whether murder was among the crimes encompassed by the common si purpose in relation to population movement phase 2 en ce qui concerne la phase 2 des déplacements de population. Given the circumstances under which the transfers were carried out, dans lesquelles se sont déroulés there is les no indication that there was a policy to provide sufficient care for the transferees or protect them from abuses. Ou à les protéger contre des abus. The occurrence of death amongst the transferees was therefore likely. Il était donc probable qu'il y aurait des morts parmi yet les personnes transférées. The members of the JCE or, engaged in the implementation of the common purpose nonetheless. Ont néanmoins procédé as à la mise such, en the policy to commun. Move the population en conséquence, encompassed la de implicitly de the crime against humanity of murder. Contre l'humanité de meurtre. Assistance and content of the targeting policy. Existence et nature d'une politique à the Trial Chamber found that there had la been a Khmer Rouge policy to target former Lon-Nol soldiers and officials, des anciens soldats et fonctionnaires de Lon-Nol, which involved the killings at Tulpo-Chrey. The Trial Chamber relied on Khmer Rouge statements and orders, as well as the existence of a consistent pattern of executions. The accused challenged the Trial Chamber's findings in this regard. Les constatations de la Chambre de première instance à cet égard.
The Supreme Court Chamber notes that in respect of a pattern of executions existing before April 1975, the trial chamber placed significant emphasis on the alleged killings in Udong in 1974. However, for the reasons fully explained in the judgment, the Supreme Court Chamber considers that the evidence on record was too weak to support such a finding. The remaining evidence of killings in the period before 1975 was also relatively weak. As to evidence of killings in the period immediately before and after the events at Tulpochray, the Supreme Court Chamber considers that it was generally weak, except for a few instances. Similarly, in relation to the alleged killings in late 1975, the trial chamber relied on evidence that often lacked detail and primarily consisted of uncorroborated out-of-court statements. Dont l'auteur n'a pas comparu the en audience. Supreme Court Chamber is similarly unsatisfied with the added evidence relied upon by the trial chamber, sur lesquelles la chambre de première instance est fondée, including Khmer's speeches, les discours, policy statements, les and other instructions. Khmer Rouge. In sum, en somme, the Supreme Court Chamber considers that the evidence before the trial chamber was inadequate to reasonably substantiate a finding that, at the time of the events at Tulpochray, il existait au moment des faits à Tulpochray, there had been a policy to kill all Lon-Nol soldiers. À tuer tous les anciens soldats de Lon-Nol. Most of the evidence consists of out-of-court statements which have low probative value. Moreover, the trial chamber failed to consider several pieces of evidence which call into question the existence of a blanket policy to kill. The Supreme Court Chamber recalls in this context that as a consequence of the severance of the proceedings in case 002, The scope of case 002/01 is restricted as far as it concerns the targeting policy to the events at Tulpochray, which took place at the end of April 1975. The final result of the analysis is inevitably affected by this temporal limitation, which caused a large proportion of the evidence to be temporally irrelevant due to the trial chamber's inability to demonstrate why instructions issued in 1976 and later implied that a policy had existed in April 1975. For the foregoing reasons, the Supreme Court Chamber finds, la chambre based de la on the evidence that was before the trial chamber, that it was not reasonable to find that a policy contemplating the execution of Lon-Nol soldiers and officials existed at the time of the events at Tulpochray. Accordingly, the accused cannot be held criminally liable for the crimes against humanity which were committed at Tulpochray. Legal standard in respect of contribution to the common purpose. Regarding the legal standard in respect of the contribution to the common purpose, the accused submits that the trial chamber failed to establish that they had made a contribution to the commission of criminal acts, but merely found that they had engaged in activities generally aimed at the implementation of a socialist revolution in Cambodia. The Supreme Court Chamber considers that the trial chamber generally articulated the correct legal standard in that an accused contribution must be significant but not necessarily
indispensable. Mais pas nécessairement the trial chamber indispensable. Also correctly considered that a contribution to the JCE bon may take many forms, à une entreprise criminelle commune even activities that are prima facie related to the commission of crimes may be taken into account when determining whether the accused made a significant contribution. That said, determination should always be based on an assessment of all activities of the accused person. That the chamber has found to have been established. In sum, the Supreme Court chamber finds that the trial chamber did not err by taking into account activities of the accused that were, on their face, not directed at the commission of specific crimes. Nunchi's contribution to the implementation of the common purpose. Contribution de Nunchi. The trial chamber identified two types of contribution by Nunchi to the implementation of the common purpose. The first is his commun. Involvement première, in the planning of the common purpose. La planification du projet commun. The second deuxième, lies in his role in role activities regarding propaganda, education, and public training. Et de formation du public. Nunchi raises several grounds of appeal against these findings. Contre ses conclusions. The Supreme Court chamber dismisses some Supreme of these grounds of appeals de because they do not have the potential to invalidate the judgment. For example, his challenge to the designation as a brother number two. In spite of other grounds of appeal, the Supreme Court chamber considers that Nunchi is merely offering alternative interpretations of the evidence. This concerns in particular the finding that he had considerable influence on military policy and that he had, along with Pol Pot, ultimate decision-making power within the party. In contrast, the Supreme Court chamber considers that the evidence was insufficient to reasonably establish that Nunchi was in charge of party discipline. Nevertheless, the Supreme Court chamber does not consider that this error affects the trial chamber's conclusion that Nunchi had made a significant contribution to the implementation of the common purpose. Contribution occurs on pawn to the implementation of the common purpose. With reference to Kyu Sampon's contribution, the trial chamber identified the following activities. First, he had attended meetings of the Standing and Central Committees and Party Congresses, as well as meetings to disseminate Khmer Rouge policies through local cadres. Second, he participated in economic matters within the Khmer Rouge regime. Third, he made public statements in support of the common purpose and policies of the Khmer Rouge. Finally, he acted as a diplomat to garner external support for the Khmer Rouge. Kyu Sampon alleges several errors in the trial chamber's findings. The Supreme Court chamber considers that most of these findings were reasonably reached. However, it was unreasonable to find that Kyu Sampon had attended a meeting in June 1974 at which the evacuation of Phnom Penh was discussed. Given that the trial chamber did not explain why it rejected the detailed testimony of Nunchi to the contrary. Similarly, the trial chamber erroneously attributed a speech that was made in 1976 to Kyu Sampon. Despite these erroneous findings, the Supreme Court chamber finds that the trial chamber's overall conclusion regarding Kyu Sampon's contribution
was not unreasonable having regards to the totality of his actions. Finding that the CPK was a unified hierarchical party and that the armed forces involved in the evacuation of Phnom Penh were unified. The accused argued that the trial chamber erred when it found that the CPK was a unified and hierarchical party, given that there were indications that from early on the party was divided into powerful factions, which subsequently escalated. They submit that no reasonable trier of fact could have concluded that both and Nguyen Chi had shared a common purpose with some of the zone leaders who were inciting rebellion and treason against them. The Supreme Court chamber is not persuaded by these arguments. It recalls that the accused were found to be criminally responsible based on joint criminal enterprise. Therefore, even assuming that a secret plot by some of the zone leaders existed, this would not mean that the crimes imputed upon the accused could not be imputed on the other members of the JCE as long as it has been established that there was a common purpose of which the crimes formed part. Error of law in respect of requisite intent. Relative à l'intention requise. As to the requisite intent of JCE liability, abandon à présent l'intention requise dans le cadre du mode de participation à l'entreprise criminelle commune. The correct standard is intent to effect the common purpose. Considère que le critère applicable c'est l'intention chamber, de mettre en œuvre le projet finding commun, selon la Chambre de la Cour must cover both la Chambre de première instance a conclu à juste titre que l'intention recouvrira à la fois le projet commun et les crimes sous-jacents. Kirsten Pond further argues that the trial chamber erroneously applied a lower standard because it assessed whether he had been aware of the substantial likelihood of the commission of crimes. In that regard, the Supreme Court chamber considers that substantial likelihood is not as such the correct standard. N'est pas en tant que tel le bon critère. However, the appropriate standard needs to be determined based on the specific crimes that are at issue. For instance, for the crimes against humanity of murder, the requisite mental element is either direct intent or dolus eventualis. Thus, if murder is committed through a joint criminal enterprise, it is sufficient to establish that the accused was aware that the death of the victim was a possible consequence of the implementation of the common purpose, but proceeded to implement it regardless. Having accepted the possible occurrence of death, que des personnes soient tuées. The trial chamber's reference to the standard of substantial likelihood was not per se erroneous, but it will depend upon the crime in question. Toutes les fonctions du crime sous-jacent en question. Nguyen Chi's intent. Intention de Nguyen Chi. As to the specific findings at. En ce qui concerne. Nguyen Chi's intent in respect of the crime against humanity of other inhumane acts, there is no doubt that Nguyen Chi acted with direct intent. Indeed, he acknowledged that he had participated in the decision to evacuate Phnom Penh. Nguyen Chi était animé de l'intention de les commettre. Il a en effet lui-même reconnu avoir pris part à la décision d'évacuer Phnom Penh. S'agissant du meurtre, la Chambre de la Cour suprême considère qu'en ce qui concerne ceux qu'il était convenu d'appeler super-traîtres, Nguyen Chi avait spécifiquement admis son intention de les tuer. In relation to the other deaths and killings that had occurred, the Supreme Court chamber considers that he had acted
with dollars eventually, based on the trial chamber's findings regarding its knowledge of the circumstances in which the population movements had taken place. Kills and pawns intend. Kills and pawns also challenges the trial chamber's findings as to his intent to commit crimes. Qu'a tiré la chambre de première instance. In particular, he argues that the party operated under a strict principle of secrecy, le principe du secret de façon stricte, which prevented him from acquiring knowledge of the crimes committed. Commis. The Supreme Court chamber finds that Kills and Pawns has failed to substantiate his arguments. This is because he has failed to engage with the extensive reasoning of the trial chamber regarding his knowledge of the crimes and has failed to substantiate the impact that the alleged errors could have on his criminal responsibility. Kills and Pawns challenges numerous other findings of the trial chamber relevant to his intent. However, for the most part, Toutefois, the Supreme Court chamber considers that his arguments failed to establish unreasonableness. The trial chamber did, however, through the extent that it relied on his purported attendance of a special national congress held in April 1975. Nevertheless, although some of the trial chamber's findings were erroneous, certaines des conclusions de la chambre de première instance they do not sufficiently ces erreurs ne suffisent pas call into question, à remettre en question the overall conclusion la conclusion that Kills and Pawns had acted with the requisite de l'intention intent. Requise. Other modes of liability, mode de participation. The trial chamber found that the accused were la also criminally responsible for the crimes which it found to have been established based on liability for planning, planifier, instigating, aiding and abetting, aider, and in respect of Nunchi only, ordering. Pour les avoir ordonné. The accused have raised numerous grounds of appeal in this regard. However, for reasons explained in the written judgment, and given the Supreme Court Chamber's finding in relation to the accused liability under JCE, it was unnecessary for the Supreme Court Chamber to pronounce on these grounds of appeal. Sentencing. La peine. The last set of arguments le relates to sentencing. Kills and Pawns in particular challenges the sentence that the trial chamber has imposed. Par la the Supreme Court instance. Chamber considers that none of Kills and Pawns' arguments disclose an error in the exercise of discretion on the part of the trial chamber. Finally, the Supreme Court Chamber enfin, has considered whether the fact that si it has found errors in some of the trial chamber's conclusions de la chambre de première instance regarding the accused's criminal responsibility shall should lead it to revise the sentence that the trial chamber has imposed. The Supreme Court Chamber notes that the gravity of the crimes should be reflected in the sentence. In view of the massive scale of the crimes, qui ont été commis the à grande échelle, lack of consideration for the ultimate fate of the Cambodian population, especially the most vulnerable groups, the fact that the crimes were not isolated events but occurred over an extended period of time, and the significant roles of the accused, joué par les accusés, the Supreme Court Chamber la chambre de la Cour suprême conclut considers that
que la réclusion à perpétuité est une peine appropriée pour chaque and accusé therefore confirms the sentence et confirme donc la peine prononcée par la chambre de première instance. The co-prosecutor's appeal. Appel des coprocureurs. What follows is a brief outline of the Supreme Court Chamber's findings on the co-prosecutor's appeal. À propos de l'appel des coprocureurs. The co-prosecutors questions the trial chamber's finding that the mode of liability les conclusions tirées par la chambre de of JCE3 is not applicable in proceedings before the ECCC. De troisième catégorie qui n'est pas declaratory relief. Ils demandent only seulement à la chambre de la Cour suprême de dire le droit the outcome et reconnaissent of que their l'issue appeal de leur appel has no bearing on the accused conviction. Sur les déclarations de culpabilité des accusés. However, for an appeal to be toutefois, admissible, it must allege errors of law un appel doit that alléguer would des invalidate erreurs de droit the qui pourraient invalider la décision. In the absence of such a défaut, claim, the appeal l'appel is inadmissible. N'est pas recevable. Nevertheless, the appeals brought by the les appels interjetés par les accusés ont donné l'occasion à la Chambre with de la Cour suprême d'analyser the notion la notion JCE, d'entreprise criminelle commune, including aspects y compris les which aspects are directly qui ont directement trait to the questions aux questions soulevées par les coprocureurs. By the co-prosecutors. Security personnel, please bring the agent two accused to the dock. Veuillez conduire les deux accusés au box des accusés. ในสิ่งใดสำหรับโยงตามสมานให้ครั้ง
dispositif. For the foregoing reasons, par ces motifs, the Supreme Court Chamber, la Chambre de la Cour suprême, pursuant to Article 4.1b en application de l'article 4.1b de l'accord relatif au CETC, Article 1.4 des articles 14 nouveaux 1b et 36 of the ECCC law, de la loi relative and au CETC Internal Rule 111 et de la règle 111. Noting the respective written appeal submissions vu of the parties les mémoires and the arguments en appel par les parties they et les presented qu'elles ont at présenté the hearing en audience from 16 to 18 February 2016 grants in part and dismisses in part Nunchia's and Kirsten Paul's appeals de and therefore et par conséquent, insofar as they relate to the facts carried out in the course of population movement phase 1, une des déplacements de population, reverses Nunchi's and Kirsten Pons convictions for the crime against humanity of extermination and affirms Nunchi's and Kirsten Pons convictions for the crimes against humanity of murder, persecution on political grounds, and other inhumane et d'autres actes inhumains. Insofar as they relate to the facts carried out in the course of population movement phase 2, reverses Nunchi's and Kirsten Pons convictions for the crimes against humanity of extermination and persecution on political grounds, affirms Nunchi's and Kirsten Pons convictions for the crime against humanity of other inhumane acts and recharacterizing the facts. Enters a conviction for the crime against humanity of murder. And insofar as they relate to the first carried out les faits survenus at Tulpo Chrey, reverses Nunchi's and Kirsten Pons convictions for the crimes against humanity of extermination, murder and persecution on political grounds. Affirms confirme the sentence of life imprisonment imposed by the trial chamber par la on both Nunchi and Kirsten Pon, dismisses the co-prosecutor's appeal as inadmissible and orders that Nunchi and Kirsten Pon remain in the custody of the ECCC pending the finalization of the arrangements for their transfer in accordance with the law to the prison in which their sentence will continue to be served. This judgment is issued on 23 November 2016 in Khmer and English with a French translation to follow. Security personnel, please take the convict to the detention center. Veuillez the hearing is now closed. Les accusés dans le centre de détention.